Nous sommes dans l'Empire du Dragon, en l'an 702 du XIIIe âge. Un monde d'aventures, de héros et d'êtres si puissants qu'ils ont gagné le nom d'icône. Dans la capitale de l'Empire, à Axis, l'empereur Luwai Oljubstani médite sur son trône. Il réfléchit aux dangers que son empire encourt. Mais il sait qu'il peut compter sur l'archimage, qui, dans les hautes sphères d'Horizon, la ville de la magie, l'assiste dans la défense du royaume. Ils observent l'avancée des armées du sombre croisé, le sombre chevalier qui lutte contre le démon au prix de tant de vies innocentes depuis sa forteresse de premier triomphe. Les démons obéissent à la diabolique, qui depuis ses marais infernaux lance sans cesse des attaques démoniaques tout en maudissant le grand dragon doré. Celui-ci a sacrifié sa liberté en bloquant de son corps un portail vers la dimension démoniaque, empêchant une invasion à grande échelle. Son acte héroïque a inspiré la fondation de l'Ordre des Paladins qui parcourt l'Empire Dragon. Par-delà les abysses où réside le Grand Dragon Doré, une forêt sauvage s'étend. C'est dans ces bois sauvages que la haute druide fait chaque jour s'étendre un peu plus la faune et la flore environnantes. Elle n'a que du mépris pour les grandes villes comme celle de Santa Cora. Dans cette ville sainte, sous l'égide de la haute prêtresse, la cathédrale est hébergée, lieu magique où toutes les religions sont représentées. La haute prêtresse regarde vers la mer intérieure, et plus loin, sur la côte, vers Drakenhall. C'est ici que la triade draconique, le grand dragon bleu, le grand dragon rouge et le grand dragon noir, ont pris le contrôle de la seule ville de l'Empire Dragon où les monstres sont majoritaires. Plus loin, au nord, dans les bois de la reine, les voisins de Drakenhall, les elfes, rendent hommage en silence à leur reine, qui sur une carte regarde, inquiète, la progression des orques à l'ouest. Le roi des nains et son peuple dans leur montagne nommée la Forge y sont engagés dans une lutte perpétuelle contre le seigneur orque et ses hordes qui viennent des montagnes glaciaires à la limite de l'Empire. Proche de la Forge, dans l'une des plus hautes tours du Port des Ombres, sur un échiquier, les icônes sont représentées par des figurines. Le prince des Ombres, le chef de la ville, regarde, amusé, ses pièces se mettre en place et pose la dernière sur l'île de Nécropolis. En ce lieu de mort, le roi Lich reconstruit son armée de morts vivants, avec pour but de reprendre l'Empire Dragon qui lui a appartenu il y a bien des millénaires. D'autres créatures incompréhensibles peuplent ce royaume. Au nord de l'Empire, le Colosse du Nord, une gigantesque statue vivante de pierre, avance lentement, peut-être d'un pas tous les 30 ans. Nul ne sait ce qu'il pense, où il va et dans quel but. De part et d'autre de l'Empire, de gigantesques créatures qui peuvent héberger des villes entières, les Béhémoths de Korou, continuent leur migration imperturbable. Dans la ville d'Axis, le corps des dragons s'envole sur leur wivre afin de protéger le royaume. C'est finalement dans la ville d'Horizon que nous retrouvons les protagonistes de notre aventure. Elena, tu attends nerveusement dans les grands halls de la résidence de ta famille, comme tu l'as fait tous les jours depuis un an. Tu attends de pouvoir rendre la mission que ton intendant et cousin Yanidon Miragwin t'a confiée. Tu repenses à ces deux dernières semaines d'aventure que tu as vécues et aux personnes que tu as rencontrées. À qui penses-tu en premier? Je pense d'abord à Herménor, qui est un grand magicien qui m'inspire beaucoup, que je trouve vraiment super. J'ai vraiment aimé le rencontrer et apprendre plein de choses de lui. Herménor, à l'heure actuelle, nous sommes à Horizon. Que fais-tu? Déjà, peux-tu te décrire et que fais-tu? Eh bien, je suis à Horizon en voyage à la recherche de connaissances anciennes, et j'ai su par Elena au cours de nos voyages que la bibliothèque d'Horizon en était fournie, de savoir un peu reculé, un peu caché, un peu mystérieux. Et à quoi tu ressembles, dis-moi? Je suis un humain assez simple, voire simplé, diront certains, du moins d'apparence extérieure. Ce qui est le plus notable chez moi, c'est que je suis en permanence accompagné de mon petit chat, Sarel, qui est un très beau félin de couleur noire, qui est cependant très... comment dire ça... à l'écart des autres. Il ne fait confiance qu'à moi, ou presque. Elena, à qui penses-tu d'autre, ensuite? Je pense également à Cor, qui,
Je pense à lui en train de boire parce qu'il les boit souvent et que je suis assez stressée. Je boirais bien un petit verre, mais jamais un petit verre que lui aurait préparé parce que ce serait vraiment trop fort. Cor, où es-tu actuellement? Que fais-tu? Et n'oublie pas de te décrire. Je suis à la taverne. Faire mon activité préférée. Qui est? Boire. Sinon, je suis un Klingon. Voilà, c'est un coulin lointain des nains, quoi. Plus de, entre ouais, demi-orc et le nain, un peu entre les ouais, deux. Ouais, voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je suis un chevalier d'art, un maître de l'hédonisme, un maître du combat, de la boisson et de la poésie. C'est important, la poésie. Oui, c'est important. D'ailleurs, je vais vous chanter un petit vers. Et du coup, pendant que Cor chante, nous revenons à toi, Elena. À qui penses-tu ensuite? Eh bien, je pense à la camarade, enfin, camarade, la personne qui est le plus souvent avec Cor, Gilgamara. Et je pense à elle dans ses tenues de cuir et j'arrête un peu d'y penser parce que. En parlant de tenue de cuir, d'où le camarade, décris-toi et dis-moi ce que tu fais actuellement, dans Horizon, la ville de la magie. Je suis une elfe de sang. Je suis toute grande, pâle, les yeux rouges, le crâne rasé. J'ai des longues robes de cuir rouge et noir. Et pour l'instant, je suis dans une boutique de cuir, justement, parce que pendant une de nos aventures précédentes, j'ai perdu mon fouet préféré. Et donc, je suis en quête de mon nouveau... jouer et ami. Et là, je suis à... Est-ce que je prends le noir tout simple, mais très pratique, ou est-ce que je fais une folie et j'achète celui avec les petites pointes d'argent qui picotent? Je te conseille la fille du capitaine, c'est un grand classique. Ah, je note. Merci, Dulcamara. Elena, quelle est la personne à qui tu penses ensuite? Alors ensuite je pense à Nafkalir qui est toujours rassurant et qui est concentré et un peu intense à sa façon dans son coin. Un peu centré. Nafkalir, tu corrobores? Eh bien tout à fait, je suis Nafkalir, un soldat avant tout au service de l'Empire. Je suis un draconien rouge, en armure lourde, aux reflets dorés, avec un énorme marteau à deux mains. Et actuellement, je suis probablement à la caserne, en train de voir avec mes supérieurs les résultats de la mission qui m'a été confiée jusqu'à présent. D'accord. Il y a effectivement une caserne à Horizon, on en avait parlé, de ton ordre de la digue. Il reste une personne, Elena. Oui, c'est June. Et c'est peut-être qu'elle n'est pas venue à l'esprit en premier parce qu'elle est assez discrète et dans son coin, un peu sans se préoccuper de ce qu'on fait, à faire ses missions. Et June, du coup, à son familier. Que fais-tu à Horizon, la ville de la magie? J'ai suivi Nafkalir parce que notre mission était liée et donc on devait rester ensemble. Donc je l'ai suivi quand il est allé voir ses supérieurs. Et là, actuellement, je suis dans un parc de la ville, a priori, en train de jouer avec Beau, mon glouton. C'est vrai que tu es un glouton de compagnie, si je me souviens bien. C'est ça, exactement. J'ai un glouton. Merci, June. Elena, enfin, pas des moindres, peux-tu un petit peu nous décrire qui tu es et pourquoi tu attends devant la demeure de l'intendant? Alors, moi, je suis Elena Miragwin. Je viens d'une très grande, très importante famille de magiciens. Magiciens de génération en génération. Tout le monde est magicien. Tout le monde est très grand magicien. Sauf moi. Moi, je suis un peu nulle. Voilà.
Et j'attends, j'attends désespérément devant la demeure de l'intendant parce que, après avoir été diplômée de magie, eh bien, j'ai enfin eu une mission que j'ai été ravie de remplir et je viens rendre mon rapport. Oui. Du coup, est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de la mission que tu as accomplie et de... Vous, pour l'instant, vous n'avez passé que 2 semaines ensemble. Tu connais à peine tes compagnons d'aventure. Mais est-ce que tu peux déjà parler un petit peu des missions que vous avez accomplies, de vos faits jusque-là? Notre première mission était de retrouver une dame, dont je me rappelle très bien du nom. On va l'appeler Mafalda pour des raisons de... C'est un truc dans le genre. Eléodra. Et Léodra, c'est parti. Voilà, qu'il m'était chargé de retrouver parce qu'elle aura des informations utiles pour l'archimage. Et en chemin, j'ai rencontré tous mes autres compagnons sur un bateau qui s'y rendait, accompagné d'une centaine d'autres aventuriers. Et donc nous avons réussi à la retrouver. Seulement nous, parce que le bateau a eu quelques incidents avec une bête tentaculaire. Donc après avoir accompli cette mission, eh bien, en essayant de rentrer, nous sommes tombés sur une île avec une sorcière un peu bizarre. Et... Elle préfère l'appellation scientifique. Un peu scientifiquement bizarre. Et... Nous avons été retenus par diverses mutations et nous avons dû aider cette fameuse sorcière à régler ses problèmes face à un assistant un peu trop rebelle. Et maintenant, enfin, nous sommes de retour à Horizon. Tu attends et tu vois que... Comme à son habitude, comme à l'habitude de ta famille, plusieurs personnes passent devant toi. Ils viennent aussi accomplir des missions, mais tu vois qu'ils passent devant toi. Quelle est ta réaction? Pas étonnant, ils doivent être plus pressés, avec des choses plus importantes, c'est normal que j'attende. Finalement, au bout de peut-être encore une heure, l'intendant accepte de te recevoir. Tu vois qu'il s'apprêtait en fait à partir en pause déjeuner et que... Ah, tu es encore là, Eleanor? Je suis venue pour remettre mon rapport. C'était quoi? C'était la simple mission de recherche, c'est ça? Oui. Et du coup, tu as réussi? Oui. Montre-moi le papier. J'étais pas toute seule, hein, mais j'ai réussi. Hop. Bien, félicitations. Tu as eu de l'aide, je suppose. Oui. Ouais. T'as beaucoup de gens, je pense, qui t'ont aidé, qui ont permis de passer cette épreuve. Enfin, en tout cas, félicitations. Du coup, tu sais comment procéder ensuite pour faire valider ta mission, récupérer tes récompenses et... Tu ne sais pas? Non. Non, très bien. C'est assez simple. Tu vas à la Guilde des Aventuriers et tu présentes ce papier que tu m'as présenté. À ce moment-là, c'est comme c'est eux qui ont donné la mission, c'est eux qui la valideront. Et qui t'expliqueront le reste, les statuts et tout. Tu... Ah oui, pardon, je vais au revoir. Ah, voilà, merci. Merci. Vous voyez qu'il y a un moment d'hésitation et un peu de gêne. Mais il va manger. Tu sors donc dans Horizon et je vais pouvoir montrer aux spectateurs, capture de fenêtre, hop, à quoi ressemble Horizon. C'est parti. Donc, Horizon est la ville de la magie. Vous voyez une ville, du coup, où il y a des académies partout, des ventes d'objets magiques partout.
Vous voyez que c'est une ville qui va plutôt axer son commerce, sa réputation sur, pardon, sur montrer que l'archimage nous protège, le magicien ultime nous protège, et du coup, nous l'honorons en intellectualisant, en travaillant la magie. Vous voyez qu'il y a très peu, on va dire que c'est pas les arts qui vont prédominer, c'est pas le martial, ça va vraiment être la culture, et surtout la culture magique. Dans le ciel, vous voyez les plus grosses académies de magie qui flottent. Il y a l'académie de l'abjuration, l'académie de la conjuration, celle de la divination, celle de l'enchantement, de l'évocation, de l'illusion. Il y en a une, tu sais, qui ne flotte pas, mais qui est enfouie sous terre, c'est l'académie de nécromancie. Il y a enfin l'académie de transmutation. Est-ce que tu avais une préférence, Elena? Alors, j'ai fait mes débuts à l'académie de conjuration, et puis j'ai été virée parce que je ne réussissais pas à suivre les cours. La conjuration, c'est la possibilité d'utiliser des sortes d'invocations permettant de faire apparaître temporairement des objets ou des créatures. C'était un peu compliqué, effectivement, pour toi. Voilà. Ensuite, j'ai essayé d'aller... J'en ai fait plusieurs, mais aucune ne m'a vraiment convenu. C'est bien dommage. Tu avances dans les rues, l'air un petit peu, on va dire, perdu, puisque la guise d'aventurier, finalement, tu n'y as jamais mis les pieds. Non. Non. Du coup, dis-moi, décris-moi un petit peu ce que tu vois dans ta ville natale. En allant sur le chemin de la guise d'aventurier. Et bien, comme tu l'as si bien décrit, la magie est partout. Je passe devant des petits magasins ou des grands magasins d'objets magiques ou de potions. Matériel, etc. Et je passe et je regarde et je trouve ça magnifique. Je regarde dans le ciel, je vois toutes ces écoles superbes flotter. J'aurais bien aimé terminer un cursus dans une de ces écoles quand même. Ah, certains disent que les gens vraiment désespérés finissent par faire les écoles d'illusion. Mais l'illusion, c'est pas trop difficile. Les gens sont tellement suggestibles que il suffit un petit tour de passe-passe. Que certains même prestidigitateurs arrivent à se faire passer pour des magiciens. Ils t'ont refusé aussi? Ah. Ah, j'ai pas réussi l'examen d'entrée. Désolé. Vous convergez tous vers la guilde des aventuriers. Car vous étiez donné rendez-vous. Vous dites rendez-vous à quelle heure? Là, on est plutôt on approche de donc la pause déjeuner, donc on approche des midi. On s'y dit rendez-vous, vous avez dit vers 13h, 14h, quelque chose comme ça? Bah oui, le temps qu'on ait mangé et que Cor ait passé l'apéritif, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez mangé? Dulcamara, qu'est-ce que tu as mangé? Ah, j'ai un gratin de polenta. Oh. Avec des petites tomates cerises confites. D'ailleurs, il s'avère que la polenta était un petit peu magique et qu'elle était « Ne me mange pas ! Ne me mange pas ! Ne me mange pas !» pendant 3-4 secondes avant de se... Et j'ai savouré chaque grain. Herménor, qu'est-ce que tu as mangé ? Eh bien, moi je me suis rabattu sur le plat du jour qui consistait en un ragoût de légumes. Dans lequel il y avait également une boulette de viande que j'ai cédée à mon chat. June? Moi, j'ai mangé une salade de fruits. Joli, joli, joli. Cor, on ne te demande pas, tu n'as pas mangé, tu as bu. Et mon gloutois a mangé des morceaux. J'ai mangé. Ah. Regret. Oui. Alors, d'abord, en entrée, une soupe à la bière. Ok.
puis après un chevreuil mariné dans de l'armagnac. Ok. Et en dessert, du rhum imbibé d'un peu de baba. D'accord, je vous rappelle, l'alcool avec modération, les gens. Oui, parce que moi j'ai 108 ans et que, oui. Et que je bois depuis 107 ans. Hein, oui. Ouais. Nafkalir, qu'est-ce que tu as mangé? Moi j'ai mangé à la caserne, mm-hmm. Donc c'était les rations standard. Steak frites et aujourd'hui. C'était... En fait, il y avait ça, mais il y avait surtout à côté, ce qui m'a marqué, c'était une espèce de purée verdâtre marron, j'ai pas compris ce que c'était exactement. Mais c'était la... ration alimentaire. Donc j'ai mangé ça. L'avantage, c'est que ça cale pour 3 jours. Le désavantage, c'est que j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Personne n'a dit ce qu'il y a dedans, même le cuisinier... Oh. Et Elena, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai pris un sandwich avant d'aller chez l'intendant, parce que je me suis dit que j'allais attendre un moment. J'étais sûr que tu allais répondre ça. Vous retrouvez du coup devant la guilde des aventuriers. Hop. Wow. Il faudra que je vois un truc pour la prochaine fois, c'est pas grave. Alors pour les spectateurs, les joueurs qui ne regardent pas le stream ne voient pas ce que vous voyez sur les côtés. Pour eux, ils voient juste l'image de la guilde des aventuriers. Je précise. Et du coup, je vais juste... rogner un petit peu la fenêtre de façon à ce que ça n'apparaisse plus pour vous non plus. Voilà. Ok. Je réfléchirai une autre fois à comment je fais. Du coup, la guide des aventuriers. La guide des aventuriers est une structure de 125 mètres de haut et qui a l'équivalent de 35 étages. Le bâtiment est gigantesque et imposant. Il est parsemé de fenêtres, de statues de héros légendaires, de fresques de récits passés. Un magicien sentira que les murs de pierres épais ne sont pas la seule protection dont bénéficie le bâtiment de la guilde. Un gigantesque escalier chryséléphantin, d'une 20aine de mètres de haut, mène à une entrée sans porte. Vous passez par une arche de 10 mètres de haut et arrivez directement dans un grand hall de marbre aux statues gigantesques de héros actuels les plus éminents. Vous voyez notamment parmi ces héros une gnome en armure avec marqué Ida. Vous voyez un nain paladin qui tient un marteau vers le ciel qui s'appelle Thorin. Vous voyez également un elfe noir barde du nom d'Arcandis. L'un après l'autre, vous allez aussi me décrire un héros que vous voyez, Dulcamara. Je vois un orc, un ou une orc, on n'arrive pas bien à voir, magicien, et dans un grand manteau, et c'est gravé au pied Saska. Herménor, que vois-tu? Je vois un être un peu étrange, on dirait un elfe, cependant il... Il semble avoir une pilosité faciale qui correspondrait bien plus à un nain, dans une lourde armure noire ornée de crânes. Sous cette statue, il est écrit Elondar, prêtre de la mort. C'est assez étrange, ça m'intrigue, ce ne sont pas des choses habituellement mises ensemble. Tout à fait, tout à fait. June, que vois-tu? Je vois une humaine guerrière, quasiment couverte de cicatrices, avec les cheveux courts et noirs. Elle tient par la main un petit garçon avec des yeux étranges, comme des yeux de lézard. À ses pieds est écrit Opal. Cor, qui vois-tu, si tu arrives à voir? Je vois...
Donc, vous voyez que Cor vomit au pied d'une des statues, qui du coup perd son nom et son identification. Nafkalir, qui vois-tu? Je vois un demi-orc, torse nu, pagne de fourrure, avec une hache dans une main et une tête de lion dans l'autre, la brandissant fièrement, et avec marqué au pied Ugar. Et Nafkalir reste un moment, une minute, devant, a perdu dans ses pensées avant de repartir. Et Elena, qui vois-tu parmi dans ce hall? Je vois la statue d'un jeune guerrier en armure dorée avec une mèche blanche et il est écrit pleu. Vous avancez long tapis pourpre. Deux gardes se présentent devant vous. Un Asmar et un demi-orc. Mais vous voyez qu'en fait, ils font juste une garde de routine. Ils aperçoivent au loin la flaque de vomi. Ils vous regardent. C'est vous, ça ?